quem pôs em contato o grupo de quatro cineastas com o mundo exterior, o angolano Mário Andrade, o fundador do MPLA. É com o Mário Andrade que nós fundamos o Instituto Nacional de Cinema. Consequência disso, Chris Marker foi para Guiné-Bissau em 79 e veio com o Sarah Maldoror, que tinha uma equipa a filmar na Guiné e em Cabo Verde. Nós ficamos com o Chris Marker durante 3 meses. Aprendemos com ele a montagem. O Mário Andrade tinha lhe encomendado para testar nossos conhecimentos, se podíamos ser cineastas ou não. Ninguém confiava que os quatro podiam ser cineastas, podiam fazer o filme na Guiné. Ninguém confiava. Então ele entrega o relatório dele, depois de 3 meses de estágio conosco, e ele me dá uma cópia, na presença do Mário Andrade, desse relatório. Portanto, nós acabamos por entender que afinal estávamos a ser testados. Quer dizer, o futuro do cinema na Guiné-Bissau estava a ser decidido por Chris Marker. Portanto, depois disso ele partiu e voltou com um projetor de 16mm, vídeo preto e branco, e com uma coleção de filmes que nós tivemos a ver para estudar. Filmes dele e do filme de outra gente. Depois, um dia, eu fui filmar o Carnaval, ele levou a película com que fez agora. Fez um outro filme com a imagem que eu filmei num Carnaval, em Saint Soleil. C'était l'époque 1979-1980 où on avait terminé avec les guerres coloniales françaises et puis on avait terminé avec les guerres coloniales du Portugal. Et c'est à ce moment-là que j'ai été contactée par Chris Marker, réalisateur français, qui s'était intéressé à la Guinée-Bissau. De toute façon, il faisait tout l'intéressé. Il était en train de faire un film en faisant le tour du monde pour montrer le monde. "19 mai 1980. Tu imagines si j'ai jubilé en lisant ta lettre, suivie à de peu par celle de Sana qui me confirmait les progrès accomplis. Non, de son point de vue, ce qui aboutissait à une intéressante stéréo de l'euphorie. Il est certain que le premier obstacle a été franchi. Il y en aura d'autres sur la route. Mais c'était vraiment le plus difficile à passer, celui du non-faire au faire. Le problème est maintenant « what next ?» et plus exactement « who next ?» car tu te rends bien compte que tu ne seras pas facile à remplacer. Je ne les crois pas encore prêts à voler en solo et toute chute de tension dans leur rapport avec celui
ou celle qui prendra ta place sera ressentie par eux comme un recul, avec retour en force de tous les faux problèmes et des impuissances dont tu as commencé à les guérir. Donc, à ton avis, faut-il prévoir un relais immédiat à ton départ ou avec croisement, ou en septembre, ou peut-on envisager de les laisser se débrouiller seuls pendant plus longtemps, quitte à reprendre contact avec des opérations ponctuelles? Tu es la seule bien placée pour répondre, et si de plus tu avais des idées de personnes idoines, j'ai des volontaires, mais généralement plus enthousiastes qu'expérimentés. Et chez les expérimentés, je dois bien constater que tout le monde n'a pas gardé la fibre militante. En tout cas, l'idée du court-métrage de fiction est excellente et elle peut se concrétiser. Tiens-moi au courant, mais peut-être je repars pour le Japon où des élections sont attendues et vont avoir lieu en juin. Si je ne suis pas là, Sarah Maldoror pourra me relayer. Envoie-lui donc des informations en double. Salut tout le monde, et particulièrement les chats de l'hôtel du 24 septembre.